Salut, vous l'aurez vu dans le titre, je vous présente la Birchbox, l'édition pour cet été, juillet-août, combinée. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on va trouver 10 produits dans cette magnifique pochette. On avait la possibilité de la recevoir également, soit comme ça, ou alors en bleu ciel, rayé blanc, bleu ciel, rayé blanc. J'avoue que j'avais une petite préférence pour celle-ci, donc ça tombe très très bien. Programme avec tous les produits, escale, je pose. Je commence avec ceci. Il s'agit d'un masque trésor solaire, masque visage en cellulose écologique, calme et renforce les barrières naturelles de la peau. J'imagine que c'est le genre de petit masque que tu vas mettre après une exposition solaire ou même quand il fait beau, tu t'es exposé finalement sans vouloir, rien qu'en marchant, et ça doit venir apaiser, reposer ta peau. Le deuxième produit bien emballé, Rose la Lune Paris. Médium, peut-être une poudre, génial. Il y a un peu de la poudre partout, j'ai peur. J'avais raison d'avoir peur. Alors là, je suis un peu deg. Explosé. Bon, je voulais l'essayer, du coup, ça va être compliqué. J'ai pas pris de pinceau, bah oui. Ouais, non, ça arrive à rien. Je vais quand même la garder, mais il faudrait que je fasse gaffe. Bon, il y a 3 couleurs, apparemment. C'est cruelty free, ces petites perles qui offrent un fini irisé délicat. Sa formule enrichie en extrait de rose qui rend sa texture infiniment douce. On continue avec ce produit Sun Therapy hydratante, gelée après soleil, à base d'aloe vera, ça c'est bien, ça va venir vraiment apaiser. 96% d'eau d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais relativement vite hein, parce qu'il y a beaucoup de produits. Ce format, je connais Algology, c'est une crème pour le visage, 100% Made in Bretagne. Appliquez matin et soir sur le visage, le cou et le décolleté, évitez le contour des yeux. Et apparemment, quand tu vas sur l'application Yuka, ils te disent que cette crème est vraiment très très clean. Voilà, c'est plutôt un plus. Je continue. Ah, cool! Un petit gloss roll-on, je pense. Ah, pareil, je regarde et il y avait 3 coloris. Donc moi, j'ai la... plus rose violet, t'as une rose plus claire et t'as une un petit peu verte. Back to les années 90, découvrez le gloss à lèvres Roller Baby pour un sourire parfait. Des lèvres pulpeuses, brillantes et délicatement parfumées, cerise sur le gloss, il ne colle pas. Ah bien, vos cheveux sont tranquilles, c'est clair, j'avoue que dès qu'il y a du vent au coin. C'est enrichi en huile de coco avocat pour des lèvres toutes douces et une bouche sublimée. Bah écoutez, on va essayer tout de suite. On est sur un rendu assez subtil. Ah, c'est très très bien. Pareil, à glisser dans ton petit sac. On continue. Ceci, Cadalis, je connais. C'est une gelée micellaire. Ah, cool. Douceur à la banane rose, visage violet. Donc ça va venir démaquiller ta peau. Ah, je connaissais pas du tout. C'est une édition limitée. Ça doit sentir bon. Ça me vend un peu du rêve. Oh là là, qu'est-ce que c'est gourmand. On dirait mon smoothie quand je rentre du sport. Hâte de l'essayer. Just Shut Up and Sun Kiss Me, une mousse auto-bronzante progressive B.Tan. C'est la marque, on voit une petite note coco, j'imagine que c'est la senteur. C'est pour le corps, donc moi j'aime bien mettre notamment sur le décolleté, un petit peu les bras. Un hâle doré et un joli coup d'éclat à tout votre corps, jour après jour. Votre peau se pare d'un bronzage naturel, génial. Je vais tester aussi. Cherry Blossom Anti-UV, c'est un spray parfumé pour tes cheveux et qui va venir protéger justement du soleil, les rayons. Ah, cool! Ah, je m'en mets tout de suite, c'est vrai que ça fait... Quand ça sent bon comme ça. J'aime beaucoup. Subtil l'odeur. Petit format, mais comme c'est pour les cheveux, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je demanderai comment ça évolue au niveau de la senteur, parce que moi, je n'avais pas réussi à me sentir avec les cheveux. Ah, je suis contente, j'en avais pas ce genre de petits produits tout chouettes. J'ai également ce petit produit, Deep Sleep Pillow Spray. Oh, ah, c'est un spray que tu vas venir pulvériser sur ton oreiller pour bien dormir. Donc j'imagine dedans, il y a des senteurs de lavande. Ça doit être sûr. On teste. Bon. Ah, oui. Moi, ça va, il y a autre chose qui contre. Il y a de la lavande. Bon, c'est pas mal. Ça doit être des huiles essentielles. C'est ça. Des huiles essentielles. Lavande de vétiver. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas très fan de la lavande. Petite expérience quand j'étais petite du coup. Camomille sauvage 100% naturel. Bon, je le garde parce que franchement l'odeur de lavande n'est pas si intense et si ça peut aider à bien dormir. C'est ça, vaporiser sur votre oreiller ou votre couvre-lit avant de vous coucher.
Et ça fonctionne, apparemment, il y a marqué. Je trouve un produit solaire, 5 ans, très bien. Protection très correcte. Il n'y a pas de parfum. C'est la marque Polar, UVA, UVB. Très haute protection. Bah écoutez, très bien. Pareil, à glisser dans son petit sac cet été. Je vous montre mes coups de cœur pour cette box. Ces trois produits. Le Roll-On. Ouais, j'aime bien. Légèrement glossy. Ça, pour les cheveux. Ça, tu passes et ça sent super bon. Plus ça fait briller et ça protège. Et ça, à voir avec si ça donne vraiment bonne mine. Et un petit quatrième. Pareil, histoire de bien dormir, le spray. Très contente de cette box. Dites-moi en commentaire si vous l'avez reçu. Si vous avez les mêmes produits surtout. Et ce que vous en avez pensé. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Je vous embrasse. Salut.